Channel switched. Bon, alors, User joined your channel. Alors, qui c'est le Robin qui est en l'air là? Ça doit être Dominique, non? Non, moi je suis toujours au sol. Ah. C'est Jean-Claude qui m'apparaît, moi, en Robin. Ah, non, c'est bien Robin ça, c'est Dominique. Ouais, j'ai un Robin, exact. Alors attends, j'ai un Robin jaune et j'ai un Robin jaune, c'est ça? En plus, je t'ai mis Robin de quelle couleur? Bah, tu as de la chance de voir tout ça, moi je vois pas tout ça. Moi. Ah ben oui, je vous ai donné le même, ça va pas cette histoire. Bon ben avec votre permission, je vais décoller, si ça vous ennuie pas. Enfin, nous ouvrir la route. Ah, je vais faire l'ouvreur. Quelle heure il est? À 25, ouais, effectivement. Ah ouais, et quelle altitude on prend? Je crois que c'était dans les 2000 pieds, non? Ouais, faut pas monter très haut. Bon, là on est à 1005, mais faut pas monter très haut si on veut voir les châteaux, quoi. C'est ça. Ah oui, ça c'est clair. Par contre, en partant, là, on vire sur la droite, si je me trompe pas. Ouais. Et là, ça monte un petit peu, là. Ouais. Ah ouais, wow. Donc faudra faire ouais, gaffe un petit peu. On va pas maintenir à 2000, d'accord. On décolle sur dans quel sens? Dans le sens vers l'ouest, je dirais, comme ça, à la louche. Ok, vers l'ouest. Ouais, c'est la 29. Ouais, c'est ça. Alors, à ma gauche, j'ai un Bravo Monet qui passe là à 1 mètre du sol. Alors là, en fait, c'est un Robin et c'est Dominique qui arrive. Ah, il y a quelqu'un qui vient d'arriver en face là. Ouais, il y a quelqu'un qui décolle. Là. Tu crois que c'est un décolle? Oh bah, Daniel. Ah oui. Daniel, tu peux décoller si tu veux là. Fais à côté devant moi. Eh ben, il n'y a pas de souci. Hein. C'est parti. C'est parti. On va mettre le volet. Hein. Allez, on est parti alors. C'est pas long. Et c'est parti. Là, j'ai vu tes volets. Bien. Et des dynamiques de Technama. Waouh. Je décolle derrière. Ah bon, d'accord, vas-y. Après toi, Jean-Claude. Ok, alors c'est pas, j'ai pas vu le désir de décoller, c'est pas grave, bon, j'y vais. Salut Yvon. Salut, je t'ai pris en photo. Ah, très bien, merci. Allez, je mets les caps sur le premier château. Je te suis. Alors là, je vois une église. Et le château est juste derrière. Ah oui, effectivement, ça y est, je le vois. Oui, il était masqué par le bois. Ah, après, c'est le château fort de Meursault. Bon, c'est des noms qui sonnent bien, ça. Ah oui, là. Après, on va aller au Clos Vougeot. Ah ben, je le connais, je l'ai visité, celui-là. Et t'en es ressorti comment? Oh ben, ça allait, j'étais en bon état. Il se rappelle pas. Ils nous ont rien offert de spécial. Bon, c'est pas immense. Hein. Je pense que j'ai vu les hospices de Beaune, moi.
tu peux pas les rater avec sa toiture très particulière. C'est ça, c'est une grande maison tout en longueur, c'est ça? Ouais, et puis il y a un toit avec des tuiles de différentes couleurs. Voilà. C'est splendide. Ah, j'ai vu un petit peu loin parce que je savais pas où elle était. Le type de bourgogne, quoi. Des tuiles. Oui. Vernissées, oui. Et sur ta gauche, tu as Magny-les-Villes. Non, les Villiers. Villiers. Je suis à 90 nœuds seul, et je me vois plus, là, je suis sorti de la carte. Ah, Dominique qui vole avec son cockpit ouvert. Ça va, t'as pas trop froid? Je suis pas en météo réel, mais ça, je suis un petit peu squid. Alors, Clos vous joue, voyons voir. L'Imatera, on passe vertical, le Clos de vous joue. Vertical, Clos de vous joue également pour le B1. Ah, ça y est, oui. Je suis vertical, juste en dessous de moi. Je veux dire que vous êtes au-dessus de moi. Le Vujo, c'est bien ça en fait. Hein. Il est très ressemblant. En principe, les gars qui les modélisent, enfin, soit ils les modélisent, soit ils les récupèrent sur la bibliothèque de Google. Oh, oui. Et principe, donc, c'est vraiment la copie conforme. Hein. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Après, du si rapide. Ça, je connais pas. Ah, je vois pas mal d'avions derrière moi, dis donc, là. Oui, c'est très joli. Et vous êtes tous à ma poursuite. Ouais, en plus, c'est vallonné, c'est une région très agréable. Hein. Ah ouais. Oui, le Morvan, oui, ça. Ah, on s'approche du Morvan, maintenant, là. Il y a beaucoup de forêts par là. Ouais. Eh ben, on y va au mois de mai, nous, dans le Morvan. On va du côté de Hautain. Ah oui, bon, c'est pas, oui, c'est à peu près, c'est pas trop loin de Nevers, ça va. Fait une heure. Vous verrez tout à l'heure tout un champ d'éoliennes. Hein. Oh, il y en a un paquet là. Ouf. Ça fera un bon point de repère. Tiens, il y a une espèce de, c'est quoi là-bas à droite? Il y a un truc vertical qui est immense là, ça pourrait être une éolienne, mais toute seule comme ça, ça me paraît bizarre. Il faut voir la bibliothèque d'objets de France VFR hein, pour voir les éoliennes. Ouais, je l'ai. Donc je vois un truc énorme, ça doit être une tour, ça, genre un émetteur. Ouais. Ouais, ça a l'air d'être un émetteur au sommet de la colline. Ouais, à droite. Ouais, il y a une, c'est la tour. Ouais, c'est une tour hertzienne qui est près de Dijon par là. Bah, j'y ai été quand je bossais. Ouais. Là, il y a au moins une trentaine d'éoliennes, hein. Donc, ça pousse bien par là. Ah, il est assez loin ce... le prochain château là, parce que je suis à 20 nautiques en fait. Ouais,
J'ai 13 minutes, moi, d'indiquer sur mon plan de vol. Ah oui, il est assez lourd, celui-là, ouais. C'est la plus longue branche du plan de vol, ouais. Là, on passe au-dessus de l'autoroute. Oui, ça, c'est... Ah bah oui, c'est l'autoroute de Pouilly-Dijon. Oui, effectivement, ouais. Pouilly-en-Auxois-Dijon. Ouais, c'est là qu'on, si on veut écourter, à la prochaine branche, on peut tirer à gauche vers 220-230. Et là, on voit bien tous les canaux, puisque c'était une région où le transport de bois se faisait par canaux. Exact. Jusqu'au début du 19e siècle. Ça, on vient, c'est le canal de Bourgogne, en fait. Oui, c'est ça, ouais, le canal de Bourgogne que l'on voit là. Alors, Pascal, pour info, moi, je vais effectivement couper sur ma gauche, là, après les éoliennes, là, je vais bifurquer sur la gauche pour récupérer la branche. Là. Donc, les éoliennes, et les voies de l'eau. C'est des sacrés repères, on va faire ça, les éoliennes. Oh, Jean-Claude, il va pas tarder à les voir. Hein. Le seul souci, c'est que ça pousse comme des petits pains, alors on ne sait jamais. Je veux dire, s'il y a des éoliennes sur une carte, on n'est pas sûr que c'est les bons. Hey, je vais être dans la. Je crois que je vais dans la crasse. Ouais. Je les vois là sur l'horizon qui se découpe. Là. Ah oui. Effectivement, c'est difficile à rater. Jean-Claude, sur ta droite, tu devrais pas tarder à les voir, parce que tu es à la hauteur, je te vois sur la carte, là. Ouais, mais j'ai un peu de brume hein, qui me bouche un petit peu l'horizon. Ah, mais... t'as la météo réelle. Ouais, ouais. Par contre, Jean-Claude, c'est carrément sur ta droite, hein. Tu es occupé de les passer. Parce que je le sens entre nous deux. D'accord, là j'ai un peu de, là, j'ai un peu de crasse, là. Équipé sauvage. Ouais, je peux pas voir les éoliennes, j'ai un peu de nuages dans le fond là. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'en dessous de toi il y a une vallée et elles sont sur la butte à côté de la vallée qui est sur ta droite quoi. Elles sont vraiment pas loin. Hein. C'est, elles, ouais, sont, bah, elles sont pas à 5 km, hein, elles sont à 2-3 km maximum de ton appareil. Ouais, mais effectivement, il y a. Les nuages sont pas loin, elles sont vraiment. Enfin, ils sont tout proches là. D'ailleurs, devant, c'est limite. Hein. Je devine le sol, mais. Ah, ça y est, je les vois. Elles sortent un peu de la. Ah, ça y est, ouais. Je suis juste à côté. Et elles tournent. Hein. Ouais, bah, c'est celle qu'on voit de l'autoroute quand on va à Dijon. Ah, ouais. Ah, elles sont éclairées d'ailleurs. Mais... Elles sont balisées. Ah, elles sont superbes. Tiens, il y a une sorte de château là, c'est quoi ça? Je suis obligé de faire un peu de gymkhana moi à cause des bandes brumes là. Je suis en météo réel et j'ai une légère brume à l'horizon, c'est tout. Ah, de temps en temps, j'ai un peu de brouillard. Il aime pour moi. Ouais, mais ça y est, maintenant c'est passé, c'est bon. Peut-être pas régler nos simouilles à la même heure. Ah, c'est possible. Ah oui. Ah oui, mais ça fait rien sur la météo réelle. Oui, c'est vrai que ça n'agit pas sur la météo réelle. Moi, je suis sur Active Sky. Ouais, moi aussi. Tiens, Dom se trouve devant moi maintenant, je le vois là. T'as, je regarde sur l'étoile nav map. User joined your channel. On se suit vraiment à la queue leu. Ouais, mais Dom il avance plus. Il est à 0 nœud là, à 1056 pieds là. Il avance plus, il est devant moi là, ça bouge plus. Non, je me suis planté. Ah, d'accord. Ordinateur okay. Planté, grave. Il a eu un coup de chaud. Alors, on suit carrément l'autoroute hein, pour l'instant.
Ouais, ouais, c'est vrai. C'est du vrai VFR. C'est vrai, c'est une navigation assez facile d'ailleurs. Bon, moi j'ai fait comme a dit Pascal, hein, j'ai coupé sur l'ouest là pour rattraper la prochaine branche. Je sais même plus laquelle que c'est. Ouais, moi je vais partir à gauche après le Shadow là. Bah, après les éoliennes, le waypoint suivant, moi j'ai bifurqué sur l'ouest pour le récupérer. D'accord. Après. Je vais passer Bussy-Rabutin et puis je vais bifurquer sur l'ouest. Ça y est, Dom est reparti, là, c'est bon. C'est vrai que c'est sympa ces éoliennes comme ça. Ah ouais, elles sont chouettes, elles tournent et tout, elles sont balisées. Hein. Oui, puis vous pouvez regarder l'empreinte au sol sur la photo, on voit très très bien qu'elle est placée pile poil au centimètre près. Ah oui, par contre, ah oui, c'est comme un peu dans l'EDF, c'est pareil. Oui, tout à fait. Ah oui, France VFR prend la base qui lui est fournie par les concessionnaires, donc il n'y a pas d'erreur possible dans les coordonnées GPS de chacune. On voit même les fils à haute tension d'ailleurs. Quand on n'est pas trop haut, impeccable. Hein. Ah oui, ils sont modélisés. Ouais, ouais. Entre les pylônes, on les voit. La marque au sol des fils. Dominique ici, je vous rejoins, je suis reparti de ce mur. Après, vous avez passé Bussy-Rabutin ? Oui, je te vois. On y arrive. Moi je suis derrière toi, je suis pas bon. Et je file sur l'ouest pour récupérer la branche qui est sur ta gauche. Je suis okay. À 4 nautiques de Bussy-Rabutin. Chouette le paysage par ici là, ces petits vallonnements là. Ah oui, là c'est le Morvan, hein, c'est chouette. Le vu du ciel, c'est pas mal. Hein. Justement, c'est ça que je voulais voir un petit peu. On est dans le Morvan. On est passé au-dessus d'une station service hein, sur l'autoroute. Elle était ouverte. apparemment il y avait du monde dessus. Hein. Et Macera, on est vertical lancé le front. Ok, Dan devient pas passer avant. Cap 03 pour le château de Maulne. Voilà, donc je vais rejoindre la branche pour justement le château de Maulne. C'est pas le plus spectaculaire, hein. Non, il est pas très grand, je crois. Non, c'est l'impression que j'avais aussi. Après, il y aura Vézelay, là, c'est plus grand. Ah, quel beau site, Vézelay. Ah, Vézelay, vu du ciel, je l'ai vu en réel. Ah, là, c'est super. Ah oui, c'est juché sur un promontoire, donc ça monte. Ah magnifique. Ouais, ouais. Bon, alors, où est-ce qu'il est, ce château? Ah, il est juste avant la maison, le village à gauche, là, c'est ça? Oui. Ok, voilà, c'est le deuxième que je vois. Lancez le front. Ouais. Oui, avec il est... un toit violet, enfin une couleur sombre. Il est assez imposant, hein. Forme très carrée. Passage basse altitude, pas standard. Ça me change d'habitude. Yasloven, je te vois là, t'es à 4 nautiques sur mes environ 4 heures. Là. D'accord, je vais regarder. Tu peux tirer. C'est... Et Nadine qui avait soulevé le problème, et effectivement, quand j'ai vu que j'avais la même chose, j'ai fait 4 exclude, et tout est rentré dans l'ordre. Il a une forme hexagonale, c'est ça le château là? Oui, c'est ça, oui, enfin il est bizarre hein, comme forme. Ouais. Je viens de croiser Dominique de très près.
Oui. Je t'ai vu passer très vite. Ah, du moment que c'est pas trop près. Voilà. T'as eu le temps de prendre une photo? Je pense que oui. Normalement, si les gens n'ont pas bougé, ça devrait être la 12 la plus en service à Nevers. Oui, c'est ce qu'il y avait annoncé, effectivement. La 12, c'est main gauche, c'est ça? Main gauche, oui. La 12, c'est gauche à Nevers. Salut Dominique, par ta droite. Hein. Bonjour Dominique. Raum. Si on suit bien le plan de vol, en fin de compte, on va avoir un château qui est complètement au sud de Nevers. Et on va remonter vers le nord pour arriver sur le... en vertical terrain sur le nord. Ah oui, c'est le château de Paris. Vertical terrain et puis... Salut nous. En... Wow. En vent arrière. Tu lis dangereusement, dis-moi. Prêt. Sur ma gauche, je suis prêt. Qui vient me doubler là. Il y a le groupe 3 qui est pas très très loin en fait, parce que moi je les vois sur la carte là, ils sont sur Cône-Cours sur Loire. Ouais, bah s'ils sont à Cône, ils sont pas loin. Ah, bah, c'est oui. Le vol qu'on a fait l'autre fois la semaine dernière. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ils doivent être à une vingtaine de minutes. On va tous arriver en même temps. Bon, je pense qu'ils vont arriver avant nous. Quoi. Oui, il y en a déjà reste... qui arrivent là, ouais. Ouais, Slovène, là, je te vois à droite, là, derrière moi. Ouais, là, je te vois bien, t'es en... T'es plus bas que moi, tu passes, ouais, t'es sur mes 10 heures. À peu près. Ah, puis c'est vrai, hein, il y en a deux. Après, il y en a trois. Il y en a quatre, il y en a cinq, il y en a tout autour. Ah, c'est bizarre ça. Vertical Vesley pour le Béance. J'étais en train de me demander ce que c'était justement. Basilique. Ouais. Vous voyez un grand bâtiment là, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ça? C'est une basilique, elle est imposante. Hein. Ouais, on y est allé il y a un an ou deux ans. Et à côté, juste en dessous à gauche, là, il y a un patelin qui s'appelle Saint-Père. Avec une église aussi qui a une architecture très étonnante. Avec une grande tour en fait, avec une flèche énorme, enfin immense. C'est vraiment savoir. Au moins autant que. Au moins aussi intéressant, on va dire, que Vesley. Et à Saint-Père, il y a un grand restaurant là, qui est connu, là, je sais plus qui c'est. Il est dans la forêt ou quoi ce château? En pleine forêt, oui. Ouais. Ah, je vois quelque chose là au milieu des arbres, ça doit être ça alors. Je suis juste au-dessus, hein. Si tu me vois, je suis au-dessous. Alors là, je te vois, mais je regarde ce qu'il y a au sol. Là. Il y a un petit lac juste à côté, mais enfin un petit étang, pardon, juste à côté, mais il y a deux étangs, là, ne te trompe pas. Bah, je vois un château là avec une grande tour de gros diamètre et puis assez un petit peu en longueur et des tours qui sont. C'est ça, oui, c'est un château du Moyen Âge, donc c'est un château fort. Hein. ...03 nautique, ça y est, je te vois. Je te vois bien. Oui, tu es tout prêt. On va voir si c'est bien modélisé. Oh, ça va, 2500 pieds, là. Je dis ça, mais une fois, je me suis retrouvé au tapis en 15 secondes, même pas 13 secondes chrono. J'ai toujours pas compris ce qui m'était arrivé. Attention, sur ta droite. 4, 3, 2, 1... J'ai pris 400 photos, c'est parfait. Merci. Ok, bien pris. Nickel. Ah non, dans la centrale,
Attends, vous êtes où là? Ah si, c'est ça, oui, c'est la centrale de Belleville. Une chose est sûre, c'est bien une centrale nucléaire. Ouais, ah oui, ça, il n'y a pas de doute. Ouais, c'est Belleville sur l'eau. Tu t'éloignes de moi, là. Pas très loin de toi. Enfin, c'est moi qui m'éloigne.